La filmographie de Pierre Ménard, disparue il y a 4 ans sans avoir achevé son œuvre phare, est aujourd'hui confidentielle. Il faut dire que l'homme était discret, n'apparaissait jamais sur les écrans, au point que le mystère plane sur nombre d'éléments de sa biographie. Restent ses films, résolument expérimentaux et postmodernes, et qui n'hésitent pas à déboussoler l'intelligence, la patience, voire l'indulgence du spectateur. Avant d'en venir à Star Wars, le cinéaste avait déjà derrière lui une longue liste d'objets filmiques non identifiés. Parmi les plus emblématiques figure notamment une version remontée dans l'ordre chronologique du Citizen Kane d'Orson Welles, un long métrage de 2h15, composé en tout et pour tout de 3 plans-séquences paysagers autour du col de Giao, en Italie, montés à la façon d'un énigmatique film policier. Le premier suggérant, si on est particulièrement attentif, l'existence d'un meurtre caché. Le deuxième, l'avancée sinueuse et accidentée de l'enquête. Et le troisième, les indices dispersés d'une résolution particulièrement escarpée. Dans un registre plus léger, une version parodique de Matrix, où les dialogues sont remplacés par des miaulements de chats. Citons aussi son fameux making-of des 99 Dalmatiens, projet de remake du film de Disney qui aurait repris l'intégralité des personnages, à l'exception de son couple vedette. Ménard y explique en voix off ses intentions, évalue les modifications nécessaires du scénario, développe et confronte les diverses solutions, discute, puis finit par rejeter l'ensemble du projet. Au Festival de Cannes 2006, Ménard remporte le prix Alain Robbe-Grillet de l'expérimentation, dans la section hardcore de la branche art et essai de la sélection Un certain regard, avec un moyen-métrage d'animation dont les plus enthousiastes, ou les plus ironiques, prétendirent qu'il condensait en une demi-heure l'intégralité de l'œuvre du cinéaste. Ce succès lui permet de faire enfin distribuer son 2001 l'Odyssée de l'espace, version allongée du film de Kubrick où chaque plan est ralenti avec de subtiles variations de vitesse. Notons que, signe de l'exigence sans faille du réalisateur, la progression géométrique des 3 parties du film, qui durent respectivement 1 heure, 2 heures et 4 heures dans la version de Ménard, respecte parfaitement l'original. Il tourne ensuite un remake français des Visiteurs en Amérique, qui, rappelons-le, est lui-même un remake des Visiteurs. Cette version ressemble beaucoup au tout premier Visiteur, et seule une analyse détaillée des 2 films permet d'en mesurer les infimes différences. L'année suivante, Ménard signe une œuvre de commande, séquelle ou peut-être préquel du film Retour vers le futur, où ses futurs parents envisagent d'avorter de Marty après que sa DeLorean a malencontreusement percuté leur chat. En 2009, Ménard entame ce qui restera sa dernière œuvre, inclassable et d'une folle ambition. Le long métrage inachevé auquel il consacra ses ultimes forces, avec une ardeur inlassable dont même la maladie ne parvint pas à venir à bout, se compose des 49 premières minutes du Star Wars de 1977, ainsi que d'une partie du combat de sabre laser opposant Dark Vador à Obi-Wan Kenobi. Chacun de ces plans est le fruit d'un effort titanesque et, S'il est regrettable que Ménard ne soit pas parvenu à recréer ainsi l'intégralité du film, son travail reste en l'état suffisamment avancé pour en mesurer pleinement la portée. On se rappelle pourtant l'accueil très mitigé et le manque de compréhension de la frange la moins perspicace de la critique, voire les franches moqueries de certains esprits particulièrement obtus qui trouvaient l'idée absurde. Certains ont prétendu que les films Star Wars étaient déjà bien trop nombreux, trop répétitifs, et qu'en produire un énième duplicata était comme ajouter de l'eau à une retenue déjà sur le point de déborder. Naturellement, ceux qui ont soutenu ce discours n'ont absolument rien compris aux intentions de notre héros. Son but n'était pas de créer un nouveau Star Wars, ce qui aurait été facile, mais bien le Star Wars originel, fidèle au plan près. Ce qui, d'un point de vue technique, aurait impliqué de reconstituer non seulement les costumes ou les décors, mais aussi le visuel des pellicules de l'époque, des caméras, des effets spéciaux, ou de procéder au rajeunissement numérique des acteurs. On cerne d'emblée l'ambition démesurée et presque prométhéenne d'un tel projet. Cependant, si telle fut effectivement la tâche initiale qui se fixa, Ménard décida ensuite d'aller plus loin, parce qu'il la jugeait trop simple. Plutôt impossible, objecteront les sceptiques. Certes, mais son projet étant par définition impossible, cette façon de l'aborder lui parut la moins intéressante. Pour lui, reconstituer un film à l'identique n'était qu'une prouesse technique sans réel intérêt, doublée d'une redite inutile après sa version duale, voire autoduale des Visiteurs. Pour que le Star Wars original devienne vraiment son Star Wars, il fallait non pas le retourner concrètement, ce qui ne servait à rien puisque le film existe déjà, et qu'il serait toujours temps de le faire par la suite si certains esprits chagrins venaient à contester sa paternité, mais surtout justifier pourquoi le recréer tel quel plus de 30 ans plus tard. Autrement dit, défendre avec les yeux du Pierre Ménard de 2009 chaque élément de l'histoire, chaque plan contestable, chaque parti pris de mise en scène, et chaque dialogue tombant un peu à plat. En examinant les autres possibilités de façon systématique et en les rejetant l'une après l'autre. À l'inverse de George Lucas qui, lui, n'hésita pas à multiplier les corrections lors des rééditions successives de ses œuvres. On imagine sans peine le nombre de notes, de brouillons, de croquis, de schémas et de contre-schémas nécessaires, et il ne faut pas s'étonner que Ménard n'ait pas eu le temps de mener son projet à bien, une vie entière ne pouvant suffire à achever pareil travail d'Hercule. Et pourtant, malgré sa forme fragmentaire, regarder le Star Wars de Pierre Ménard est une révélation. D'abord de par son économie de moyens. Lucas faisait appel aux meilleurs effets spéciaux de son époque, à des artistes et des techniciens à la pointe de la modernité. Ce qui reste, somme toute, une façon plutôt grossière de séduire le spectateur. Ménard, lui, convoque volontairement des techniques quasiment abandonnées depuis des décennies, dédaignant les facilités numériques du troisième millénaire. La mise en scène est au diapason, notamment lors du combat de sabre laser. Un rien figé chez Lucas, qui cherche à réaliser un blockbuster, elle prend chez Ménard un relief inattendu, car en tournant le dos aux chorégraphies matuvues des scènes d'action plus contemporaines, il parvient à conférer à son film une simplicité et une lourdeur presque réaliste, qui évoquent le cinéma plus âpre de Robert Bresson. Le casting est également très différent. Lucas, comme tant d'autres, choisit pour héros de jeunes premiers aisément susceptibles de symboliser l'avenir. Ménard, au contraire, confie cette tâche à des acteurs confirmés et vieillissants. L'alliance rebelle qu'ils incarnent n'est dès lors plus porteuse d'un nouvel espoir, mais un vacillant vestige du passé. Les plus audacieux ont voulu y voir une méditation sur la nature cyclique de l'histoire. D'autres, une métaphore prophétique sur la fragilité des démocraties contemporaines face à l'émergence des nouveaux empires. Sans aller aussi loin, il ne fait aucun doute qu'un tel choix d'acteurs rend le film plus profond et plus tragique. De plus, la construction du récit est inattendue. Chez Lucas, la progression ne se démarque guère des autres productions de l'époque. En revanche, à l'heure des intrigues tortueuses et des retournements sans fin, Ménard a l'audace de proposer un récit simple, linéaire et même un peu naïf, sans univers parallèle ni autre artifice permettant un reboot facile. Ajoutons que si le Star Wars de Lucas s'inspirait fidèlement du ton et des procédés des films de sabre japonais alors à la mode, Ménard, en cinéphile averti, feint quant à lui d'ignorer l'aura universelle et quasi exclusive des Sept Samouraïs, en choisissant pour modèle un film beaucoup plus obscur du même cinéaste. Il existe plusieurs façons pour une œuvre d'échapper à son créateur. Être recopié, standardisé, franchisé à l'infini, ou bien devenir un lieu commun de la culture populaire, constamment redigéré et réinterprété. À Star Wars, qui aura eu le privilège et l'infortune de connaître les deux, des travaux tels que ceux de Pierre Ménard offrent une insoupçonnée cure de jouvence et de rédemption. Ils nous permettent de reconsidérer la série en lui attribuant une genèse et un créateur extrêmement différents. Regarder Star Wars comme s'il était de Pierre Ménard, de Jean-Luc Godard ou de Martin Scorsese, n'est-ce pas renouveler encore l'intérêt qu'on peut lui porter ?